Ah merde, j'ai découvert un truc super grave là. Ça fait une semaine qu'on est rentré, mais les membres du gouvernement, ils sont pas passés dans la classe supérieure. Bah écoute ça, Elisabeth Borne n'hésitera pas à démarrer l'année avec un 49-3. Mais c'est le programme de l'année dernière ça. Mais merde. Et Bruno Le Maire pareil. Cette semaine il a dit que l'inflation avait baissé. Ah non, tout faux. Il a redoublé lui aussi. Bah attends, au début les Restos du Cœur, c'était pour les personnes sans domicile fixe. Maintenant ils servent à manger. Même à des personnes qui travaillent à plein temps. Parce que la vie est trop chère mon Bruno. Tu savais que quand Coluche a créé les Restos du Cœur, ils servaient 8 millions de repas. Et aujourd'hui, c'est 160 millions de repas. Normalement, travailleur pauvre, c'est un oxymore. Et vous en avez fait une réalité, mais félicitations. Et Macron, lui, il nous a sorti qu'arrêter de prendre l'avion, c'était pas une solution pour le climat. Alors ça, au contrôle, c'est même pas 0 sur 20. C'est hors sujet direct. Parce qu'après, tes petits camarades Elisabeth et Gabriel, ils prennent un jet privé pour faire un Paris-Rennes. Alors qu'il y a un train, putain! Et Manu, il nous a fait un discours pour nous alerter sur le fléau du plastique. L'Elysée a commandé des milliers d'articles jetables pour leur cuisine. 130 000 barquettes de cuisson à usage unique. C'est n'importe quoi ça, Manu. En fait, le petit Emmanuel, il y a des notions qu'il n'arrive pas à assimiler. C'est un élève en difficulté. Il récite par cœur, mais il comprend pas ce qu'il dit. Et alors, mon Manu, tu nous rases la moitié de la forêt de Brocéliande pour construire des autoroutes. Et après, tu nous dis non, mais vous inquiétez pas, chaque élève de 6ème va planter un arbre. Alors, pour réduire les émissions de CO2, c'est quoi ta propale? On arrête tous de respirer 10 minutes par jour, c'est ça? Bah, si le premier trimestre commence comme ça, vous allez vous faire défoncer au premier conseil de classe.